Il n'y a pas mon nom derrière, ouais. Bonjour, c'est Pablo Andrés. Je suis au Proximus Base Camp et vous êtes dans le Red Devil Quiz. En gros, je pose des questions, les Diables Rouges répondent et à la fin, c'est moi qui dis qui gagne. Bonjour, c'est Timothy Castagne. C'est Thomas Mouni. C'est Arthur Théâtre. Je suis Axel Witzel. Je m'appelle Thomas Fouquet. C'est Yuri Tillemans. Attention, on commence immédiatement avec un quiz rapidité. Oh, bravo! T'as vu ça, ouais. Impressionnant, il a été très rapide. J'aurais aimé poser la question auparavant, mais tu as été rapide. Je t'accorde le point! Attention, question suivante. Il va falloir être très, très rapide. Romelu Lukaku. Bon de jeu, c'est impressionnant! Impressionnant, Axel. C'est rigolo, c'est quoi? Hein? Piche. Écoute. Je sais pas, il a dit plus rapide, je suis plus rapide. Prochaine question. Il va falloir être encore plus rapide. Lewis Hamilton. Mon Dieu, c'est impressionnant. Je suis ému. Il est fort, il est fort. Alors, les footballeurs sont connus, malheureusement, pour pas être toujours très futés. Hein, surtout toi, Thomas. Désolé. C'est Roberto Martinez qui m'a dit, tu es le plus con. Je te propose à présent de prouver le contraire par cette question mentale. Attention, Thomas. 648 956 divisé par 789 859. 0,82. Bonne réponse, Thomas. Hein? Vous êtes de mèche. Comment ça? Vous êtes de mèche. Qui était le premier ministre aux Royaumes-Unis en 1953? Stanley Baldwin. Bonne réponse, Thomas. Ouais. Non, il ment. Encore. Il veut plus lui donner la réponse, c'est sûr. Connaissance générale, toi tu connais pas ça. Connaissance générale, Timothée, voilà. Et puis lui, il révise pendant ses mises au vert. Hein, il est pas sur Instagram tout le temps comme... Je suis Batshuayi. Bonne réponse, Timothée, bonne réponse, vieux. Deux, un. Et tu vois, combien de mannequin pieces faut-il superposer pour dépasser la taille de Dries Mertens? 4. Il a dit 2. 2, t'es vraiment méchant. La bonne réponse, c'est Thomas Fouquet. Exactement, c'est 4 mains que puissent, mesdames et messieurs. C'est une bonne réponse et il n'a pas triché. Il est plus grand que moi, Brice? Ouais, quand même plus grand. Bah, je fais plus qu'1m60. Non, tu fais pas. Non, pas droit. Non, tu fais pas, il a dit. Question rafale, question rapidité, top, c'est parti. Qui chante le mieux dans l'équipe? Romelu Lukaku. Mais il les connaît mieux que moi. Bah, ça fait 15 ans, il joue avec eux. C'est un rappeur, Romelu. Quel bel homme, en plus, il a vraiment tout. Romelu, si tu nous regardes, je t'aime. Il a la même taille que toi. Qui est le chouchou du coach? Yuri. Kevin De Bruyne. Kevin? Ouais, c'est sûr, ça. C'est peut-être parce qu'il joue le mieux aussi, hein, Yuri. C'est vrai, j'accepte. Quel est le joueur qui met le plus d'ambiance dans les vestiaires? Grosse ambiance. Moi, Michi me fait rigoler, en tout cas. Il est toujours en retard. Ça ne passe pas. Michi. C'est bien que je t'aime, pour. Qui est le plus mauvais perdant? Romelu. Ouais, Romelu. Quel diable rouge choisirais-tu si tu devais participer à l'émission Master Pinch? Bah, c'est celui qui enchaîne le plus d'affonds de pinches. Choisir mon pote Timothy Castagne. Tim, c'est un bon. Il va pas être content en voyant ça, mais je mets une bonne pièce sur lui. Prochain défi. Celui qui rigole a perdu. Que dit une feuille quand elle est dans l'eau? J'ai pas pied. C'est moins un point. T'as rigolé. C'est quand même regarde. Les règles, c'est les règles, Arthur. Vas-y. Il rigole déjà lui-même de sa propre blague. Que dit une femme mexicaine à son mari quand elle veut faire un câlin? Tu Mexique. Intéressant. Moi, j'ai rigolé, par contre, sur le coup. Pas moi. Tu Mexique. Si Eden devait jouer dans une série, ce serait dans laquelle? Je sais pas. Eden et les garçons. Eden, je m'appelle Eden. Je suis une fille comme les autres. Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Le ton monte. Il y a le petit menton qui fait ça. C'est perdu. C'est pas perdu, ça. Et c'est moins 10 points, d'ailleurs. J'allais pas rire, mais il était comme ça, il me regardait comme ça. Merci, les gars. Attends, on a encore un petit truc. Ah, pardon. What you gonna do?